Et le soleil se lève pour une dernière fois sur Hyrule. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, parce que alors là j'ai branché plein de câbles, il y en a de partout. Vous voyez qu'aussi j'ai deux casques sur la tête, je peux à peine bouger, parce que j'en ai un pour capturer le son, et un pour entendre le son de la télé. Parce que si jamais j'entends le son qui sort de mon ordi, je l'entends décalé par rapport à ce que je vois. Donc ça c'est génial. Bref, donc on va essayer de faire rapide. En plus, je sais même pas si ça va marcher. Je sais même pas si on va me voir, je sais même pas si on va m'entendre. Peut-être qu'on va m'entendre en décalé, ma voix va être décalée parce que j'ai fait plein de tests et à chaque fois, le test était différent. Soit ma voix était pas capturée, soit c'était l'image, soit c'était le jeu qui était pas bon, soit ça saccadait. Enfin bref, là, je suis sur des œufs. Je sais pas trop ce que ça va faire, surtout au niveau du son, si on entend bien, si on entend pas bien. Écoutez, bref, on va voir parce que là, c'est la grosse merde. Mais voilà, j'ai longuement hésité parce que... Ben, je voulais faire la fin de mon côté, comme j'ai fait tout le jeu de mon côté, hein, vous inquiétez pas, vous n'avez loupé aucun épisode, il y a juste celui-ci. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs que je capture la Switch, et que je me capture en train de jouer. Et ben, je me capture justement pour la fin de ce jeu qui pour moi a été, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, ça fait plus de 10 ans en fait que j'ai pas ressenti une chose pareille pour un jeu. La seule fois où j'ai eu autant l'impression de voyager et que je me suis autant épanoui et investi dans un jeu, c'était dans Sonic Unleashed, sorti en 2008. Donc bref, on va pas perdre trop de temps. Donc voilà, j'étais un peu sur le toit du monde. Là où on va, c'est ici, le château d'Hyrule, qui est gardé par Ganon. Je me suis bien préparé. Si vous savez, alors j'ai 133 000 rubis, ils me servent à rien, mais voilà. Je me suis fait plein de plats. Je vous explique pas tout parce que, enfin, je veux dire, je passerai 3 heures à tout vous expliquer alors que j'ai pas le temps. Où on va, c'est ici, le château d'Hyrule. D'ailleurs, on va s'habiller pour l'occasion parce qu'on va essayer de prendre un truc. Alors, ça va pas être très beau, mais c'est l'équipement avec lequel j'ai le plus de défense. Voilà. En termes d'équipement de bouclier, alors, on va se retrouver contre des machines archéoniques. Donc, il nous faudrait plutôt un équipement archéonique. Alors... mon équipement, mes habits archéoniques, j'ai pas pu les augmenter au maximum, donc on va faire avec. On va se prendre le bouclier archéonique, on me voit plus, coucou. Un arc archéonique, voilà. Et on va prendre un glaive, voilà, celui-là. Même si après contre Ganon, ouais, faudrait que je prenne l'épée de légende. Mais là, ce sera... voilà. Je sais même pas du tout en fait comment ça va se passer contre Ganon. Hein, donc bon, on verra bien. Donc voilà, ma dégaine, c'est génial. Eh bien écoutez, on va y aller. Et attendez, j'ai tout préparé. J'ai même préparé le cheval blanc. Voilà. Qui est bien équipé comme il le faut. Pour qu'on aille... péter le cul à Ganon. Allez, c'est parti. Donc là, on y va comme ça, hein, je vous le dis. Non, je plaisante. Allez. Moi, j'ai juste baissé un peu le son de mon casque. Ah non, me dis pas qu'il va pleuvoir. Putain, il faisait beau tout le temps, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour que ça fasse un peu plus épique. C'est comme ça. Allez. On passe aux choses sérieuses. Alors, je suis... parce que j'ai juste à suivre le chemin. Là, il faut que j'aille à gauche. Dégager les osios. Alors, au niveau des korogus, tout ça, je crois que j'en suis à 365 en tout, un truc comme ça, ou 355. Voilà, j'ai fait en sorte de pas tout chercher. Oh, punaise, attends. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Il faut que je me équipe des flèches archéoniques. Alors, on va commencer déjà à se faire attaquer. Voilà, j'en étais sûr. Alors par contre, je vais m'en aller parce que j'ai pas envie qu'il tue mon cheval. Ouf. On va profiter de ça. Hop. Et dans l'œil. Nickel. Bon, on va rien récupérer. On n'est pas là pour ça. On est là pour se fighter. Allez, on y go. Bon, je vois que je suis bien équipé là. Putain, j'ai... oh, mais ça fait... j'ai joué 170 heures au jeu. 170 heures. Truc de malade. Putain, voilà où on va. Et là, mais pour moi, c'est un grand moment. Je voulais faire ça tout seul pour bien profiter, mais bon, ça va, j'ai pu me mettre en bonne condition. Donc pour moi, ça va. Mais enfin, ce jeu, mais c'est vraiment un truc de malade. J'y ai pris un pied, mais monstrueux. Là, j'ai un peu rushé
pour arriver jusqu'à la fin. On va dire que la dernière zone, la dernière map, partie de la map, je l'ai pas super bien visitée. Donc si vous voulez voir la map, attendez, merde, je fais n'importe quoi. La map, elle est là. Voilà. Donc, mais elle est énorme, elle est gigantesque pour visiter tout ça, mais ça a été un truc de fou. Et c'est juste cette partie que j'ai pas super visitée, mais bon, ça va. De manière générale, je m'en suis plutôt bien sorti. Et j'ai rien d'affiché, j'ai pas les Korogu, tout ça, on peut pas voir ici. Faut que j'aille sur une sauvegarde, je crois. Si je fais ça, sauvegarder. Ah non, c'est si je charge. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, au niveau des sanctuaires, j'ai les 120. J'ai pas fait toutes les missions secondaires. J'ai été voir tous les souvenirs. Donc pour débloquer la vraie fin, d'après ce que j'ai compris, il faut voir tous les souvenirs. Donc du coup, je l'ai fait. J'ai augmenté mes emplacements au maximum, pratiquement, parce que j'ai pas tous les Korogu, mais au niveau des arcs, au niveau des armes, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été m'équiper, voilà, comme vous avez vu, en équipement archéonique auprès du laboratoire. J'ai revendu tout ce qui m'était inutile. J'ai vraiment tout fait pour être prêt au max, là. Et boum. Allez, on y va. On n'est pas encore arrivé. On se fait déjà... Putain. Allez, tire dans l'herbe. Voilà, ça fait du feu. On peut décoller. On décoche une flèche dans l'œil. Et on se barre. Allez, go. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais je crois que de toute façon je vais abandonner le cheval. Ouais, faut que j'abandonne le cheval à mon avis, parce que il va se faire tuer sinon. Ouf. Attends. Tu bouges pas, donc c'est plutôt facile. Ouais, j'abandonne le cheval parce que j'aurais pu au moins l'emmener à l'entrée. Merde. Ouh là là. Allez, viens là, cheval. Viens au moins à l'entrée avec moi. Allez. Voilà, on entre dans l'antre. Dans l'ancienne citadelle d'Hyrule. Allez, je te laisse ici, mon gros. J'ai pas envie que tu te fasses tuer. Ah, d'accord. Comme ça, on n'a qu'à contourner de toute façon. Alors, j'y suis un petit peu rentré, pour ceux qui connaissent le jeu. J'y suis déjà un peu entré, hein, dans la forteresse. Hein. Parce que pour avoir un souvenir et pour une mission ou je sais plus quoi, on a besoin d'y entrer à un moment. Hein. Donc j'y suis un petit peu rentré. Là, on va vraiment faire le chemin principal. On va y arriver plutôt rapidement. On va pas visiter tout le château, du moins je pense pas. Parce que j'ai déjà visité pas mal de choses dans le château. J'étais rentré par l'arrière, mais je suis encore pas rentré par l'avant, donc ça fera l'occasion. Hein, on va prendre ce qui est pour moi le vrai chemin. Putain, j'espère vraiment que ça capture là. Ça me fait peur, ce logiciel de capture. Un coup il marche, un coup il marche pas. Alors, et quand je lance, je sais pas si c'est le bon moment où il va marcher ou il va pas marcher. Donc bon, vous avez déjà la réponse. Peut-être vous l'aurez pas, parce que je mettrai même pas la vidéo en ligne si ça ne marche pas. Alors là, comment je fais, là, ici? Est-ce que j'utilise mon pouvoir de... Alors lui, déjà, il va me voir. Coucou, je suis là. Oh putain, mais attends, il bouge. Merde. Et voilà. Ça commence bien. Ah mais, du calme. Oh merde. Oh punaise. Bon, ça, c'est fait. La porte, est-ce que je... Oui, je l'ouvre comme ça. Très bien. Ouvrons les portes! J'arrive, Ganon. Alors, j'ai combien de flèches archéoniques? Putain, j'en ai 49. Ça va être showtime. Son laser, il m'a enrhumé. Ouf! Dégage.
Quoi, t'es pas mort? Ah si. Avec l'ambiance sonore. Oh merde! Ouf! L'ambiance sonore qui en rajoute. Oh, bah lui, je peux pas la voir. Hein. Attends, on peut rentrer par là? Ah bah oui, bah de toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti. On infiltre le château de Ganon. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Ça va être génial. Je sais pas où je suis. Oh, pourquoi ça bug? Ah d'accord. Ok, si tu veux. Alors là, par contre, je crois plus trop qu'il y a des trucs archéoniques. Du coup, on va se mettre cet arc-là. On va se mettre des simples flèches en bois pour le moment. On va s'équiper... Pourquoi on s'équiperait pas de l'épée de légende tant qu'on y est? Non, ce sera contre Ganon. L'épée royale. Lui, on va le laisser tranquille. Ok, salle d'armes. Est-ce qu'il faut que je monte? Je suppose qu'il faut que je monte. Comme j'ai dit, on va pas tout visiter. Hein. Ah, d'accord. Donc là, c'est fermé. d'accord. Là, je peux rien y faire. Là, on est d'accord. Hein. Même avec une bombe, ça marche pas. Là. D'accord. Alors, il y a certainement un mécanisme que je dois activer. Ou alors, j'en sais rien. J'adore les musiques remixées là qu'on entend. Pourtant, moi, je suis pas un féru de Zelda, je connais pas bien. Hein. J'ai envie de dire, j'ai découvert avec cet épisode. Mais quel épisode, my god! Oh. Putain, alors lui, il va me faire chier. On va prendre... De toute façon, c'est le moment d'utiliser notre armement. Alors, putain, 433 flèches électriques. Regardez un peu cet arsenal de malade, là. Je l'ai. On va préparer notre coup. Ah non, parce que ça va utiliser l'éclair, sinon ça j'avais envie de le garder. Bon, je bourrine un peu, mais ça passe. On va récupérer cette épée là. Espadon de la garde royale. Ouais, bon, j'ai même pas rien à récupérer. Putain, il y a plein de. Tout ce qu'il y a. Espadon royal. Ça doit être un bouclier rouillé. Espadon rouillé. Mais bon, là ça m'aide pas trop. Ok, bon, mis à part ça. Salut toi. Est-ce qu'il faut que je les tue pas tous pour pouvoir... Non, ça m'étonnerait. Attends, le bouclier. Faut que je change le bouclier. Je vais pas prendre le gars. Il va me saouler, lui. C'est fermé là-haut. Putain, je sais pas comment faire, moi. Bon, là, il y a un autre passage. Salut, toi. Alors, attends. Viens par là. Viens par ici. Hop. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Mais arrête de me jeter de l'eau. Ah, mon épée royale va se briser. Très bien. Merde, ça utilise l'électricité. Je voulais pas. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'en sais rien, moi, celle-là. Allez, dégage. Allez, les escaliers. Il n'y a pas d'escalier, mais c'est pas grave, on peut grimper. C'est génialissime dans ce jeu, on peut grimper où on veut. Donc si je passe par là... Quoi? Mais il n'y a que ça? Mais attends, mais je comprends pas. Comme si j'en avais besoin des rubis. Ah, attends, il y a un arc archéonique, je vais le prendre. Il me semble hein, que c'est archéonique. Ah non, arc du faucon, c'est pas grave, on prend quand même. Bon, alors d'accord, très bien. Ça commence bien, je suis déjà bloqué. Attends, mais je suis con ou je suis con? Il faut faire quoi ici, là? On peut pas passer, en fait. Bon. Écoute, tant pis. On va passer par autre part. Hein. Ah, attends. Bon, c'est juste pour un coffre. Qu'est-ce que j'en ai ouvert des coffres? Tiens, trois flèches archéoniques. Bon, ben, c'est pas plus mal.
Eh ben écoute, on va pas passer par là. Et là, je suis droit, toi. Ah, mon épée de garde va déjà. Ah, d'accord. Elle rend déjà l'âme. Yep, bah dis donc. T'as 72 l'espadon royal. Non, on va prendre des petites d'ailleurs. Et ici, y a quoi? Ah, mais c'est tout naze là. Je vais même pas passer là. Génial. On va devoir ressortir. J'adore aller dans des endroits pour rien. Mais attends, mais quoi? Mais... Ah non, mais ça par contre je sais. Et l'autre je pouvais pas le faire parce que parce qu'il y avait pas d'eau par terre. Mais là il y en a. Et je sais même plus. Pourquoi ça? Attends, mais c'était ouvert quand je suis venu ou... Ah ouais, c'était ouvert, ça s'est fermé après. Bon, on va procéder autrement. On va se prendre ça. On va remonter la chute comme ça. Bam. On va aller, je sais pas où. On va se remettre comme ça. Non, pas torse nu. Attends, mais le chemin il est où? Ça m'énerve. Ah d'accord. Ok, bon, un linel. Oh non, je déteste les linels. Ah oui, il faut que je fasse un truc aussi. Là, je vais m'augmenter mon attaque. Ça, les linelles. Mais non, mais il y a des têtes aussi là. Le linel, il va déjà m'enlever mes boucliers. Ça va faire chier ça. Mais oh, je l'ai eu dans ma tête. C'est la merde, c'est la merde. Mais déjà? Mais je l'ai même pas utilisé. C'est tout fou. Lolo. Mais non! La tête, elle m'a... Oh, ça c'est pas mal. Un truc qui va se briser. Et voilà. D'où l'intérêt d'avoir une épée de légende pour jamais qu'elle se brise. Je sais. Allez, bim dans ta gueule. Oh, les esquives. Là, je joue vraiment comme... Mais déjà. Et comme ça se brise vite. Là, je vais me faire talonner là. Mort. Oh non! Non! Oh, ça c'est pas mal. Putain, je fais des trucs que je fais jamais d'habitude. Allez, c'est bon, il est mort. Il doit y avoir des yeux là-haut. Ouais, c'est pas ce qui me semble. Très bien. Bon, je pense que le chemin principal c'est par là. Non, attends. Je sais même pas. Je devrais me voir normalement sur la carte là, mais je sais même pas où je suis. Je suis où sur la... Merde. Je regarde la carte, je regarde même pas. Elle est où la carte? Ah voilà.
Donc je vois où je suis. Et là... Ah! Donc attends, ouais. Si, si, je vois. Il faut que j'aille par là. Je crois. J'espère. Oui. Là, je vais arriver vers un bâtiment. Voilà, c'est ça. Je vais encore affronter un Linel. Ouais, bah, si tu veux mon avis, j'ai pas tant envie que ça de... d'affronter un autre Linel. Alors, tu vas m'excuser. Oh putain, en plus, il y a la lune rouge. Ouais, d'accord. Il y a la lune de sang. Alors, tu m'en voudras pas si je contourne, mais hein... Je sais pas que ça foutre. Ah, mais d'accord, il n'y a pas de chemin après. Très bien. Je sais même pas où aller. Ça va être minuit. Ah voilà, le château, il est là. Bon, on va dire que c'est par là. Hein. Par contre là, je vais me rééquiper. Je me rééquipe en ça. En ça. Parce que je sens que je vais me faire attaquer par des archéonites. Tiens. Loin. Bon, on va faire comme ça. L'autre, il m'a pas vu. C'est génial. Ah si, ça y est, il m'a vu. Ah mais attends. Oulala. Stop, stop, stop. Et stop. L'autre, il dégage. Oh non, je l'ai pas eu. Mais... Voilà. Ça y est. Bon, je vais manger un petit peu parce que... Qu'est-ce qu'on se prend comme plat? On se prend... Une petite omelette nature. Allez, une petite omelette nature. Et puis pour compléter le tout, une petite volaille fine grillée. Voilà. Eh ben ça y est, en fait on est arrivé. Bah oui, en fait on est arrivé. Attention. Attention. Est-ce que ça marche toujours la capture? J'ai l'impression que oui. Allez, c'est parti. Suspense. Le cœur de Ganon. Petite Zelda, j'arrive. Mon pouvoir se tarit. Je ne peux plus le retenir. Pardonne-moi. Il arrive avec sa paravoile. Oh punaise. Oh, t'es pas beau. Oh t'es pas beau. C'est quoi cette lame rouge qui... Ne va pas croire que je fais ça pour toi. Tout ce que je veux, c'est rendre à Ganon la monnaie de sa pièce. Oh, ça, c'est génial. Je me demandais quand... Link, je t'envoie mes dernières forces. Tu dois vaincre. Je me demandais comment ils allaient être utilisés. On va se prendre un plat qui augmente avec le nombre de cœurs maximum. Un truc qui augmente ma force.
Et là, on est pas mal. Le bourril. Là, il est pas content. Ah, ça c'est parfait ça. Décolle. Mais pourquoi il a pas décollé? Décolle. 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 Mais oh, bah maintenant je peux plus, t'es content? Attends, je vais t'atteindre. Pourquoi ça marche pas des fois? Ah ça y est. Ah là il est pas content là. Oh putain. Pas mal ça, pas mal. Oui. Ah oh, vas-y, je l'ai eu avant là. Ça, ça lui fait rien? Ah merde, ça lui fait plus rien. Mais what? Attends, mais ça lui fait rien. Attends, y a plus rien qui marche. Mais what? Y a plus rien qui marche. Attends, il est en feu. Du coup, on utilise la glace. Non? Ça marche pas non plus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je peux te renvoyer les projectiles comme ça? Bah non, je peux pas. Ah si! Ah si, d'accord, je lui ai renvoyé les projectiles avec mon bouclier archéonique. Vas-y, bah recommence, j'ai compris maintenant. Oh putain. Ouais, bon là ça sert à rien. Merde, mais justement. Allez, je te renvoie. Et bim! Bon, est-ce que c'est fini? Je pense pas, mais peut-être. En même temps, quand tu te prépares autant... Limite, le boss, il est trop facile, en fait. Mais bon, je me tais. On sait pas ce qui va se passer. C'est quand même pas la fin. Oh, il va se transformer en autre chose, non? Non? Ok. Oh mon cheval! Ah j'aurais dû me changer, je suis pas beau. Attends, il est pas mort. Il est la flamme du mal et de la haine. Ah bah oui. Maintes fois étouffée, toujours ravivée. Ah bah oui. Ouais, je me dis. À retrouver sa forme charnelle, le feu attiser sa fureur destructrice. Oh, s'il se libérait, une tragédie sans précédent s'abattrait sur Irul. Oh mon dieu, fuis cheval! Oh là là, mon dieu! Voilà.
Voici l'arc de lumière. L'éclat déchire les ténèbres du mal. Je le remets entre tes mains. J'aurais pu l'avoir plus tôt, non ? J'ignore à quel point tu as pu retrouver tes souvenirs et tes forces de jadis. Mais je crois en toi. Je connais ton courage. Je sais qu'il ne faillira jamais. Pas mal. Putain. Ah mais il faut que j'aille le récupérer en plus. Ok. 100. Ah oui, pas mal. Alors, non mais attends, 2 secondes. Arc de lumière. Équipé. C'est des lumières, c'est pas des flèches. Très bien. Épée de légende, ok. Le bouclier, on va garder le archéonique. Bon, on va se mettre comme ça, mais dès que je serai proche à le tuer, j'aimerais bien me changer parce que j'ai pas envie d'une cinématique où je suis moche comme ça. On va aller manger un bon petit plat du riz au curry et un petit œuf au plat au riz. Voilà. Okay. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier. Alors. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Cette aura le protège de toute attaque. Ouais, et donc ? Je vais contenir son aura maléfique. Je veux bien. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Bah vas-y, grouille-toi parce que... les points lumineux. Oui, d'accord. Bah vas-y, je t'attends. Allez, pendant que je suis en l'air, ce serait pas mal. Oui, ce serait pas mal que tu le fasses maintenant, en fait. Allez. Décoche ta flèche dans la lumière. Oui, et elle est où la lumière? Il y a plein de lumière. Hein. Ah, là. Alors attends. Ah, mais non, mais il n'y a pas que le cul, en fait. Il y a l'épaule. Merde, j'ai plus de... Ah, fais chier. Je touche pas, là. Alors. Ah. Ok, très bien. Le pouvoir de Ganon s'affaiblit. Oui, je sais. Putain, comme il fait pas beau. C'est la folie. Bon, et maintenant? Attends, mais le cheval, il me fait peur, il est où? Il est là-bas. Très bien. Punaise. C'est le moment. Ah, je contiens son aura. Très bien, maintenant que je suis redescendu, parfait. Ok. Bah, en fait, ah mais d'accord, en fait il y a juste à viser. Faut pas prendre en compte si c'est trop haut, si c'est pas assez haut. En fait l'arc il est... Non ? Ouais c'est ça. Ouais l'arc il est overcheaté. Bon bah en fait on a presque fini. C'est pas mal tout ça. Attends, au cas où, on va se prendre un truc avec les cœurs. On va se prendre un truc qui m'augmente l'attaque. Allez, hop. Vas-y, Zelda, je t'attends. I'm waiting for you. Where are you? Mais sur la tête, s'il te plaît. Quoi? Bah, c'est où? Pas encore dans son cul, hein? Oh. Tu y as mis où? Oh, en dessous. T'as mais toi, t'aimes bien ces endroits, hein. Je vais pas te juger, Zelda, mais... Encore un peu. Oh putain, la couleur. Oh. La musique, il devient toute calme. Link, regarde. Sur oui, sa tête. Sur sa tête, oui. Oui. Je vois rien sur sa... Ah si. Là. Non, ça va s'ouvrir, c'est ça? Tu vois. Oui. Et donc, il faut que je lui décoche tout une flèche. Plus que de toi. Oui, et ben ouvre. Ouvre. Voilà. Ça y est. Aïe. Aïe. Attends, heureusement qu'il y a des courants ascendants. Et quand est-ce que ça s'ouvre en fait au juste parce que... Ah.
Bah non, là, je lui fais rien, donc... Ah, faut que j'aille sur lui. Ah non! Oh putain, quand tu t'approches trop, il... Il aime pas. Et je comprends pas... Non, c'est pas vrai. Ah, faut que je le contre, c'est ça? Bah non, là, ça s'ouvre, donc dans la logique, je peux décocher une flèche. Mais what? Pourquoi ça marche pas? Tirer parti de ses attaques. Bah oui, bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il attaque, donc moi je me laisse emporter par le courant. Et après, voilà quoi. Là! Mais ça se referme, illico! Pourquoi? Franchement, je comprends pas. Ça se referme tout de suite? Je comprends rien. Vas-y, et si je fais ça? Ouais, bon, ça lui renvoie que dalle. Ah mais fallait que j'attende. Oh là. Putain voilà, fallait que j'attende. Bon là je crois que c'est bel et bien fini. Putain on dirait un cochon quoi. C'est un sanglier le mec. C'est qui, c'est Zelda ça? Ah ouais. Ça c'est bien. Ah t'as peur la Ganon hein? Ça va, tu les fais pas tes 100 ans. Pas fini. Ah bah là, je crois que si. C'est pas fini. J'étais avec toi depuis le début, à chacun de tes pas. J'ai vu tes efforts. Je me suis pas changé. Tes combats. Oh non, c'est moche. C'est pas grave. Quoi, je savais. J'en étais certaine. Là, elle se retourne, elle prend peur. Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Oh mon dieu. Ah mais t'es pas beau. Je m'en vais. Link, héros d'Hyrule. Sois mille fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi? Ah, je croyais qu'elle dit, est-ce que t'aurais pas d'autres habits, s'il te plaît? Parce que là, tu me fais saigner des yeux. Aïe. Pas beau. C'est mignon. Ah, ok. Eh ben dis donc, j'en aurais passé du temps sur ce Breath of the Wild. J'aimerais bien, ou j'aurais bien aimé, une dernière cinématique à un autre endroit, habillé autrement, parce que là, tu vois, ça le faisait pas. Je peux passer ça ou pas?
Ah, je peux. Ah, si, je peux passer. Je passe. Ah, voilà. C'est ça que je veux. Ah, ben voilà. C'était l'image que j'avais dans la tête. Je voulais ça. Je voulais qu'il soit habillé comme ça. Je dois me rendre au domaine Zora aujourd'hui. Parfait. J'aimerais bien comprendre pourquoi Varuta s'est immobilisé. Il faut que je jette un coup d'œil à son réservoir d'eau. Et aussi, le père de Mipha, il aimerait que nous lui parlions un peu de sa fille. La menace de Ganon est levée, mais son passage a laissé des traces. Il y a tant à réparer, et nos cœurs ne cesseront jamais de saigner. Pourtant, je sais qu'Hyrule se relèvera. Elle renaîtra plus belle encore. Tous les habitants du royaume s'y emploient. Moi aussi. Je les aiderai. Je mettrai tout mon cœur à l'ouvrage. Viens. Allons-y. Je n'entends plus la voix de l'épée, comme autrefois. Quand on y pense, ça n'a rien de surprenant. Mon pouvoir a dû s'épuiser en 100 ans. Eh bien, si c'est ça, je m'en accommoderai. Et là, ils font des roulés-boulés dans l'herbe, comme dans Star Wars épisode 2. Pas mal. Ah, je suis bien content de cette petite cinématique de fin, là. Ça, c'était bien. Maintenant, j'ai hâte de voir mon pourcentage. Je dois pas en être beaucoup. Je sais pas si je vais dépasser les 50%, parce qu'à ce qui paraît, les Korogu, ça prend beaucoup de pourcents, tout ça, tout ça. Je vais voir si je vais continuer... Ok, j'ai une petite étoile, ouais, très bien. Commencer. Alors oui, d'accord, c'est sauvegarde automatique au début du château. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas reprendre une partie, en fait. Ça fait comme si on n'allait pas terminer, quoi. C'est chiant. Paramètres. Bon, on va quand même le faire. Allez, hop, c'est parti. Tiens, comme ça va me permettre de voir. Voilà, 133 879 rubis, 357 korogu, 120 sanctuaires. J'ai 27 cœurs et 3 rondes d'endurance. Voilà. Ok, donc ça, d'accord. Mais si je veux voir le pourcent, je fais comment ? J'ai pas moyen de voir un pourcentage ? On m'a dit que je voyais le pourcentage une fois fini. Bah. Mais eux. Retour à l'écran titre. On m'a dit qu'on voyait un pourcentage. Il va falloir que j'aille voir sur internet ou quoi? Putain, c'est pas possible, je suis une nouille ou quoi? Allez. Putain, mon portable qui bug. Comment? Je vais faire le kikou, hein. Comment voir le pourcentage Zelda? Non, allez, écris Zelda, merci. Help, pourcentage sur forum. Allez, 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 bouge-toi! Le pourcentage qui s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran quand vous aurez la carte générale reflète votre degré de progression du jeu. Ah, donc c'est-à-dire qu'il faut que je... D'accord, donc que j'aille là... Et après que j'aille sur la carte et c'est écrit en bas à gauche.
Il y en a un qui dit d'ailleurs, je comprends pas trop, j'ai fait tous les sanctuaires, pas mal de quêtes, j'ai fini l'histoire, mais je suis qu'à 30%. Les donjons, c'est 2%. Les korogus, c'est 70%. Oula, calme-toi. Donc si jamais je regarde la carte... Merde, je sais même plus où est-ce. Ah, mais parce que je suis dans le château d'Hyrule, là. D'Hyrule, Hyrule, je sais pas quoi. Il faut que je sorte de là. Oh là là. Mais non, arrêtez, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Allez, esquive. Faut que je sorte de là. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va me dire en pourcentage. Hein. J'ai hâte de voir ça. Si, je vais dire que si je dépasse les 50%, alors je suis satisfait. Mais à mon avis, je dépasserai peut-être pas. Hein. Allez, donc verdict. 50... J'ai l'impression d'être à l'école. 54,17, j'ai dépassé la moyenne. Oui, j'ai mon bac. Ouais, 54%. Putain, pour tout ce que tu fais, 54%, c'est un truc de malade. Enfin bref, voilà. Voilà. Et ben c'était bien. C'était cool. Allez, quittez le jeu. Et voilà. Bon. Et bien sur ce, voilà, ce fut une belle aventure. Je vais pas parler du jeu 107 ans. Hein. J'en avais déjà parlé en plus quand j'ai fait une vidéo sur la Switch. Jusque voilà, bah, c'était une aventure de dingue. Je n'y retournerai pas, mais j'y suis resté 170 heures dans Hyrule. Je préfère dire Hyrule. Et ouais, j'ai commencé le jeu tard, je le finis tard. Parce qu'il est sorti en 2017, je crois. Donc voilà, je le finis qu'en 2019. Bon, mais c'était une giga aventure. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je suis comblé et je ne sais pas quand est-ce qu'un autre jeu me fera faire ressentir ça. En tout cas, pour la suite, pour ce qui vont sortir après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais je pense que celui-là restera une référence. Voilà. Bon. Et bien, c'est comme ça. Allez! Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir à vos occupations et ciao à tous.